Merci une fois de plus d'être branché sur cette chaîne de l'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant, laquelle chaîne fait passer des connaissances basées premièrement de mes propres expériences qui résultent de mes méditations, qui résultent également de parfois mes lectures, mes lectures bien sûr akashiques, hein, pas de lecture de livres. Mes consultations auprès des esprits de l'au-delà parfois, quand je fais des voyages conscients dans l'espace et le temps, les méditations aussi, parfois les interrogations. Donc quand je pose des questions aux entités, lors de certains rites, ils font des apparitions parfois un peu bizarres, et puis voilà, et ils me font des révélations, soit par télépathie ou téléaudience, je reçois des messages également. Le sujet d'aujourd'hui, donc, est une question qui m'a été posée par un auditeur. Et pourquoi il m'a posé cette question? Ben, c'est parce que, quelque part, il aurait lu dans un livre, hein, dont il m'a donné le titre, dans la littérature gréco-romaine. Effectivement, j'ai dû prendre le temps de lire ce livre.
La question est de savoir est-ce que l'homme a une queue? Il ne s'agit pas de la queue au langage sexuel, hein, c'est-à-dire c'est une autre appellation de notre appareil privé qui se trouve devant. Mais les gens appellent ça la queue. Mais il ne s'agit pas de cette queue. Est-ce que l'homme, dans sa constitution physique, il existe une queue en lui? Bien. Ce que je peux vous dire, c'est que avant que l'homme ne vienne à l'existence, tout ce que nous sommes, lorsque le spermatozoïde, qui d'abord au départ a une forme de tétard, il faut le reconnaître, va se rencontrer donc, va rentrer dans l'œuf, qui est produit par l'ovule, et un nouvel être va voir le jour, par les grands mystères mystiques et scientifiques. Ce nouvel être qu'on voit en réalité du premier jour jusqu'à 3 semaines, c'est un tétard. C'est un tétard que nous voyons. On a observé cela par les appareils, par la science moderne. On a vu que le commencement de tout être humain, c'est un tétard. Le commencement même d'un animal, de zéro jusqu'à un certain nombre de semaines ou de jours, c'est un tétard. Les animaux forment un tétard. Le poisson forme un tétard. L'homme que nous sommes, nous formons également un tétard. Ce tétard donc part d'une queue et jusqu'à la tête. Donc, tout part de la queue jusqu'au niveau de la tête. Si vous voyez bien le serpent, en fait, c'est comme cela l'homme est. Vous voyez, c'est le serpent qui est l'animal qui montre en réalité notre véritable forme initiale, originale. Quand vous regardez bien le serpent, c'est exactement comme cela, nous sommes à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous avons une queue et nous avons la tête. D'accord? Et les deux fonctionnent de manière harmonieuse. La queue, c'est elle qui est l'essence de la vie. Tout part de cette queue. Et c'est finalement la tête qui est le grand réceptacle par excellence, qui émet des ondes vers la queue, vers la base, et en même temps envoie également les ondes qui sont parties à la base, parties de la base, donc la queue, vers les plans subtils. En langage simple, je dirais ceci, que nous sommes et nous avons la queue commune. La queue de l'homme qui est en l'homme, ça s'appelle le coccyx. Le coccyx, pourquoi? Parce que c'est la base, en réalité, de l'homme. D'accord? C'est un tronc, les pieds qui soutiennent, mais tout l'homme dans sa constitutionnalité mystico-spirituelle et de son existence réelle, l'homme que nous sommes, l'être humain, notre esprit est lobé et logé dans ce corps physique, lequel corps physique a un arbre, a un tétard au départ. Et c'est de cet tétard que tout le physique de l'homme va se structurer au fur et à mesure. Mais la queue reste toujours là. Les pieds vont venir, les bras, et tout, mais la queue reste toujours là. C'est-à-dire que la queue, c'est la base même. C'est ce qu'on appelle le coccyx en français. Et c'est de ce coccyx, souvenez-vous, où est attaché le premier élément qui constitue et qui est la base des pouvoirs de l'homme, c'est-à-dire au niveau de notre organe sexuel. Est-ce que le volume est bon? Donc, le coccyx est la queue de l'homme, avec grand H, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. C'est le coccyx qui est cette queue-là. Et tout part là, à la base. Voyez-vous? Et c'est le coccyx même qui est le premier chakra et le dernier chakra. Je m'explique. Le premier parce que c'est de là où vous démarrez la montée. C'est là où le premier chakra s'éveille. Le dernier, pourquoi? Parce que en déclenchant à partir de cette base,
Et que lorsque vous avez maîtrisé tous les pouvoirs, en réalité, c'est depuis la tête que vous projetez pour puiser à la base. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le coccyx étant le premier sur le plan mystico-spirituel, c'est la queue. Et la tête, comme vous le savez, vous voyez le têtard, il y a la partie qui est plus fine, donc la base, c'est la queue. Et au-dessus, c'est la tête. La tête, elle renferme quoi? Vous avez l'encéphale, diencéphale, le thalamus et l'hypothalamus, qui sont là pour jouer le rôle de transmetteur. Transmetteur de mouvements, de pensées, en relation directe avec les cinq sens du corps. Tel le rôle que joue l'hypothalamus. Mais ceci, bien sûr, sous couvert de ce que la science appelle le neurotransmetteur. Et donc, ce sont eux qui jouent le rôle d'envoyer l'électricité dans tout le reste du corps. Mais c'est le coccyx qui est la base de la colonne vertébrale. C'est pour cette raison, lorsque quelqu'un est paralysé, quelqu'un tombe et que ce coccyx se casse, c'est votre vie qui est cassée. Tous les hommes qui ont le coccyx bougie, ils ne peuvent plus avoir la vie sexuelle. C'est fini, c'est cassé. Parce que c'est là le premier chakra. C'est la racine même de l'arbre que Dieu a mis à nous. Et c'est ainsi que cette queue que nous avons, d'après le livre que le monsieur a lu, est-ce que cela expliquerait pourquoi certains milieux sectaires sataniques utilisent la technique de la pédérastie, ou du moins l'homosexualité, acceptant le terme qui est plus ou moins noble. Par contre, la pédérastie, ce serait aller contre la volonté de l'individu. Mais l'homosexualité, c'est qu'il y a une entente mutuelle et une pratique qui, pour certains tels qu'aux États-Unis, ça a été légalisé, mais Dieu merci, en Europe, ça a été rejeté il y a quelques jours. C'est-à-dire, pas d'homosexualité, la mettre à égalité avec le mariage traditionnel, homme, conventionnel, homme et femme. Donc, pour répondre à cette question et entrer en profondeur, la queue est la base de tout. Il faut secouer la queue pour que le pouvoir monte. Donc, ces sectes, qu'est-ce qu'elles font? Il y a des sectes, que ce soit au sein des loges, que ce soit au sein de certains milieux religieux, ou même traditionnels, où vous êtes obligés à travers un rite bien spécifique. Et ce rite est préparé. Il y a des incantations que l'opérateur fait pour monter littéralement, prendre un autre homme ou même prendre une femme par l'endroit désigné pour la décharge de nos fécales. Et comme vous le constatez que cet endroit précis, au-dessus de cet endroit, la base même, c'est la queue. Et que les personnes qui connaissent dans ces pratiques-là, qui pratiquent ces choses, puisque moi je connais, je suis informé et j'ai vu les gens faire cela, je connais, j'ai des amis qui le font, dans certains milieux mystico-spirituels, dans certains cercles spirituels, ils le font. Ils le font, c'est parce que c'est une pratique qui consiste à aider le nouveau de recevoir le pouvoir du prêt du maître. Et c'est ainsi que la personne va faire cela. Et de deux, d'autres le font, c'est pour voler les pouvoirs de l'individu. Parce que tous les pouvoirs de l'individu, la base de ce pouvoir serait le coccyx. Et nous, dans la pratique pranam, pratique yoga, voulais-je dire, la tradition africaine, le pouvoir, la base du pouvoir, c'est le coccyx, c'est la queue. Et donc tous ces mecs qui sont dans des pratiques nuisibles, nocives, lugubres, vous prennent par l'arrière pour pouvoir rentrer en possession de votre pouvoir. Et c'est ainsi que dans certains milieux sectaires, ça s'est finalement répandu dans la société. Des gens trouvent que c'est normal de faire ce genre de choses avec un autre homme ou bien des femmes qui imposent aux hommes de le faire.
Mais ces femmes qui le font parce qu'elles savent. Elles savent ce qu'elles cherchent. Les hommes qui le font, ils savent ce qu'ils cherchent. Voilà un peu le grand mystère qui se cache derrière la queue qui se trouve en l'homme, avec grand H. Homme comme femme, nous avons cette queue, mais que cette queue est utilisée à des fins sorcières, magiques, soit pour éveiller le pouvoir dans le cadre du Kundalini Yoga, qu'on appelle le yoga du feu, ou le yoga du le serpent, on réveille. Bah, des techniques de méditation, par exemple du yoga tibétain, on réveille le serpent. Mais le réveil du serpent se passe d'abord par commencer à secouer sa queue. Et quand, dans les philosophies et les écrits indiens et chinoises, on nous parle du dragon qui commence à secouer la queue. Mais parce que justement, le pouvoir commence par la queue. Et en nous, en l'homme, pour ne pas être tautologique, recevez la vidéo, ce pouvoir se trouve dans notre coccyx. Et le coccyx est la base de l'éveil du pouvoir kundalinique. Et la base du pouvoir mystique. C'est là où se trouve le premier bol des énergies. Le premier chakra, c'est-à-dire le premier centre d'énergie, se trouve là. Et celui-là le plus difficile à réveiller. C'est le plus puissant. C'est là, donc, au niveau de votre sexe. Et c'est ainsi que certaines personnes, maîtrisant ses connaissances, donc, ils préfèrent prendre les énergies des autres à partir de ce premier chakra, ce qui est derrière, donc, c'est-à-dire le coccyx, qui devient une source à la fois de certains plaisirs qu'ils éprouvent et à la fois de l'acquisition ou du réservoir de recevoir des énergies en permanence. Voilà la réponse brièvement donnée par votre homme serviteur sur la question de savoir est-ce que l'homme a une queue. Oui, nous avons une queue, homme comme femme, et que cette queue peut-être, elle est beaucoup prisée dans le monde des sciences occultes, dans la sorcellerie et dans certaines sectes, et voire même dans certaines loges. Donc, jeunesse, faites très attention, parce que c'est une partie qui est beaucoup prisée par certains hommes qui ont plein de pouvoir. Il y a les gens qui le font juste à titre de se plaire ou de plaisir, pas nécessairement dans les pratiques occultes. Mais il fallait quand même que j'apporte cette précision que oui, ce serpent-là, pourquoi on l'appelle serpent? Parce qu'il est rempli de mille et un pouvoirs. Et qu'il y a des gens qui volent ce pouvoir et d'autres réveillent ce pouvoir à partir de là. Votre homme serviteur est passé par là. Mon premier pouvoir a commencé à la base et il est monté en fonction du nombre d'incarnations que j'ai vécues. Et cela, c'est de manière générale pour tout le monde. Voilà donc, brièvement donné comme élément de réponse à votre question sur la queue. D'accord? Ce qu'il faut retenir pour résumer, c'est que malheureusement, les gens utilisent cette queue beaucoup plus pour le mal. Et qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis la nuit des temps. Le mal prédomine. Je voulais dire, il y a plus de mal que de bien sur terre. Il y a beaucoup plus des agents des ténèbres. Il y a beaucoup plus de gens qui font trop le mal par rapport à ceux qui font le bien. C'est-à-dire que le mal a plus de pouvoir que le bien sur toute la terre. Personne ne me dira le contraire. Regardez quand le Covid a frappé. Tout le monde était malade. Nul, même les religieux, personne, ceux qui prétendent créer des miracles, guérir les gens, guérir les sida, je ne sais quoi, ils n'ont pas pu guérir le Covid. Voilà un mal qui a paralysé tout le monde. Et il y a les gens également, la majorité des gens malheureusement qui dirigent le monde, ils sont beaucoup plus dans le mal. Ne me posez pas la question pourquoi, mais c'est une loi. Fait que le mal le mal réellement domine le bien sur la terre. On trouve beaucoup plus les gens qui font le mal que les gens qui font le bien. Et c'est souvent les pauvres qui font le bien qui parfois payent les pots cassés. Et ceux qui font le mal, ils sont là et vivent. Donc j'ai voulu attirer cette attention pour vous dire qu'effectivement, cette queue, les gens l'utilisent beaucoup plus pour le mal. Au niveau du coccyx. Merci beaucoup. Soyez bénis. Si ce que je vous ai dit vous a plu, cliquez au maximum, partagez.
Faites passer cette connaissance auprès de ceux qui veulent savoir. Que, en réalité, tout homme que nous sommes, hein, que ce soit femme ou homme, nous avons la queue. Mais que cette queue-là, c'est elle qui nous permet de réveiller le premier chakra, qui nous permet de réveiller nos pouvoirs. Et c'est cette queue qui nous donne la vie. C'est grâce à cette queue, effectivement, qu'on atteint les plus hautes sommités. Parce que tout part de la base. Mais que c'est la même queue, malheureusement, ceux qui aiment faire le mal, les agents du mal, les mercenaires de l'occultisme, utilisent pour voler et exploiter l'énergie des personnes innocentes. Partagez au maximum cette vidéo. Likez au maximum. Soyez bénis. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore.